Ladies and gentlemen, this is Ayuta TV live on YouTube. We are with a very nice company with people from different continents in areas on the earth. People who are engaged with the international UTDA movement and who will share with us their experience during time of COVID-19 and how UTDAs and senior students live and handle with this strange an unusual situation. The discussion will be in French. So I'm giving the floor to Professor François Vallas. But before all, let me introduce the company. So Mrs. Liu Tintin from China, Professor Vallas from France, the president of UTA, Mr. Camara from Senegal, Mr. Rodriguez from Colombia, and Mr. Parsuraman from Mauritius. So I give the floor to Professor Vallas to start this discussion in French. Merci beaucoup, Georgie. Merci à tous d'être ici pour cette émission en français. Donc, comme vous savez, nous sommes dans un moment très particulier avec cette épidémie mondiale. Donc, je voudrais vous proposer d'abord que chacun, en pas plus de 2 minutes, dise un peu quelle est la situation dans son pays et dans son université du troisième âge. Et puis après, nous parlerons ensemble sur les modalités pour le futur, notamment avec le grand concours international qui a été lancé par l'AIUTA avec l'aide du WSTC. Donc, je vais commencer d'abord par le pays qui est le plus tôt dans la journée avec la Colombie, Gustavo. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur ce qui se passe en Colombie? Et puis après, on passera la parole à, je crois qu'en second, dans l'ordre du temps, c'est le Sénégal, puis le Maurice avec notre ami Parsuraman, et puis enfin la Chine. Donc, Gustavo, c'est à toi. Et bonjour tout le monde, ravi d'être ici avec vous et vous retrouver. Eh bien, la Colombie compte aujourd'hui 262 morts du virus et 6200 personnes infectées par le virus qui ont été recensées depuis le 20 mars. Et date dans laquelle le confinement a été décrété. S'il semble presque rien face aux plus d'un million de contaminés aux États-Unis et les 126 000 morts en France, la Colombie est à prédominance néolibérale. La décision du gouvernement vise toujours à protéger les intérêts des grandes entreprises nationales et internationales. C'est pourquoi, bien que les dangers de la pandémie aient été connus, il a tardé à décréter le début d'un confinement. Ce qui est certain, c'est que le virus est entré par le principal aéroport de la Colombie qui reste ouvert un certain temps. Et pendant ce temps, beaucoup de personnes infectées qui sont entrées de l'étranger ont été contaminés et à d'autres ont contaminé à d'autres personnes et le virus s'est propagé un peu partout dans le pays. Et dans les universités, donc, alors, comment ça se passe? Et le confinement qui a commencé le 20 mars et qui a été initialement arrêté pour 4 jours. Et ensuite, c'est prolongé au niveau national jusqu'au 11 mai. Et la plupart ou la quasi-totalité des mesures sont les mêmes que dans la plupart des pays. Mais ce confinement a été chaotique et partiel, hein? Et car il y a un conflit entre le gouvernement central et les autorités locales pour le plus grand rôle politique qui doit jouer chacun et dans ce moment. Et la seule chose originale dans tout cela, c'est que pendant le confinement, les jours pairs sortent les femmes
et les jours sans père sortent les hommes. Le problème principal, c'est quand ceux qui sortent les transsexuels. Merci. Merci, Gustavo. Maintenant, on va demander à Sidi Camara au Sénégal. Tu nous dis pour l'université, pour UNITRA et pour ton pays. Alors, bonjour tout le monde, Géorgie, Ludivine, tout le monde, pour que je ne fasse pas de jaloux. Au Sénégal, relativement, disons que la situation est gérée de manière assez responsable. Nous en sommes à peu près à 800 contaminés. À peu près autour de 1000 et pour 9 décès. Donc la situation est relativement contrôlée. Voilà. Donc il y a quand même, il faut le reconnaître, une capacité de résilience chez nous, les Sénégalais, chez les Africains d'une manière générale, parce que étant quand même habitués à un certain nombre d'épidémies. Donc, quand une pandémie arrive, nous avons été déjà un peu préparés. Donc, d'où cette forme de résilience. Et aussi, cette mentalité sous-tendue par la foi. On se dit, quelque part, il y a la main de Dieu. Et pour les mitras, pour les seniors? Alors, pour les seniors, justement... nous sommes dans la même dynamique, c'est-à-dire que l'Université du Troisième Âge, tout de suite, s'est alignée derrière la décision de l'État de mettre en place un couvre-feu, de faire en sorte que les personnes du Troisième Âge, qui sont les personnes les plus vulnérables par rapport à cette pandémie, que ces personnes-là restent à la maison. La journée, elle est libre, mais nous avons donné des instructions pour que chacun puisse rester à la maison et que nous puissions travailler comme on le fait présentement par Zoom. Oui. Et nous travaillons, bien que les moyens techniques ne soient pas très développés, mais nous avons initié, et ça nous a permis justement de parfaire notre capacité, n'est-ce pas, d'innover. Et vous savez que nous avons l'événement majeur du mois de novembre. Et oui, le congrès international et le conseil d'administration. Absolument. Et nous sommes tenus de continuer le travail parce que nous l'avons entamé depuis 6 mois et nous n'allons pas attendre la fin. On va en parler. Je continue avec Passou Ramène à Maurice. Donc, quelle est la situation et pour l'Université Troisième Âge aussi? Merci François et bonjour à tous les amis. Et je suis content de vous retrouver. Ça fait un bon bout de temps que je ne vous ai pas rencontré personnellement parce que je n'étais pas trop disponible. Mais je vais revenir par rapport à COVID-19 à Maurice. On a environ 350 personnes contaminées et une dizaine de décès. Donc, comme c'est un petit pays aussi, hein, une population de 1,3. Alors, il y a eu un petit retard à passer au confinement, il y a un petit retard à fermer les lignes aériennes pour éviter à ce qu'on reçoive des personnes qui peuvent être contaminées, mais quand même, on s'est rattrapé, on a pris pas mal de dispositions avec les confinements, et dans l'ensemble, je dois dire, ça se passe bien. Il y aura un début de déconfinement à partir du 5 mai, même le Parlement mauricien qui s'est ajourné va reprendre les travaux là à partir de lundi, mardi prochain. Alors donc, on va relancer un peu, on va réouvrir, si vous voulez, les activités économiques. Alors, mais par rapport à l'Université Troisième Âge, je dois dire ce qu'on a fait. C'est vrai, c'était effrayant au départ. Hein? Tout le monde devait prendre toutes les précautions. Alors, et surtout qu'on a précisé que les signaux sont les plus vulnérables, les plus absolument à risque. Alors c'est qu'on graduellement, donc, l'équipe, ils ont innové, hein, ils ont créé un WhatsApp group et il y a des échanges tous les jours par rapport à l'information. Et nous, moi j'ai utilisé également l'Université Troisième Âge, mais aussi
la fondation que je gère pour les handicapés, Global Rainbow Foundation. Oui. On a utilisé les deux à travers notre page Facebook et LinkedIn. On a prodigué beaucoup de conseils aux seniors, beaucoup de conseils aux personnes en situation de handicap. Vous voyez, à travers des messages, des guides, on a fait intervenir des médecins, on a même créé, lancé notre radio de la fondation, une radio web. Et je dois dire qu'on a beaucoup d'interventions qui se passent à la radio, des conseils médicaux, etc. Et oui, les seniors essayent. Oui, exactement. Et les seniors essayent de faire les activités par télé, à distance. On les conseille de le faire quand même à la maison, que ce soit l'exercice, etc. Mais c'est clair qu'ils sont démobilisés. Hein, ce n'est pas la même chose pour eux. Vous voyez, aller se retrouver seul et faire tout ça. Oui. Mais quand même, on se prépare pour cette compétition. Hein, on va en parler. Avant, je donne la parole à Ludivine en Chine et puis on va voir pour la compétition. Merci, Bassou. Allez, merci. Et bonjour tout le monde. Avec plaisir de partager la situation du coronavirus et la situation actuelle de l'université du 3e âge en Chine. Tout d'abord, je vais parler brièvement de ma vie sous l'influence de l'épidémie. Ma famille vit dans une petite ville. Après le festival du printemps, j'ai été resté à la maison pendant plus de 2 mois. Pendant ce temps, il y avait peu de voitures sur la route, toutes les usines sont fermées et tout le monde est resté à la maison. Jusqu'à présent, nous devons porter des masques quand nous sortons, mais la situation s'améliore beaucoup. Et beaucoup de restaurants et magasins sont ouverts. La plupart des moyens de transport sont revenus à la normale. Et d'autre part, maintenant, les universités du 3e âge de la Chine, y compris l'université du 3e âge de Tiemavelas, ils n'ont pas encore ouvert. Et ils ont pris la forme de l'enseignement en ligne. Il y a un nouveau modèle d'enseignement et c'est très pratique. Beaucoup, et nous croyons que les universités du 3e âge de la Chine rétabliront à la normalité bientôt. En outre, l'IUTRA, en coopération avec le WSDC, organise un grand concours international pour les universités du 3e âge. Nous engageons les personnes âgées à participer activement. Et enfin, j'espère que la situation s'arrangera rapidement pour tout le monde. Et merci beaucoup. Merci, Ludivine. Donc, on voit que chacun arrive à réagir quand même face à cette situation qui est vraiment extrêmement préoccupante dans le monde entier. Et avec la UTA, et nous l'avons fait avec Georgie pour la UTA TV, on a prévu donc de l'initiative de ce concours international qui va avoir lieu jusqu'au mois d'août, qui est pour tous les seniors, pour faire à la maison. Et ce concours devrait permettre de donner la possibilité à chacun d'entre nous d'exprimer sa créativité. Donc on l'a pour la peinture, pour la musique, pour la poésie, pour le papier, pour la création et aussi pour la photographie. Donc, nous avons adressé toutes les informations dans les différentes langues et je vous propose que maintenant nous discutions de ce concours et puis on va le faire aussi pour la préparation à la fois du WSTC et du grand événement que nous allons avoir au Sénégal à la fin du mois de novembre. Donc, je voudrais demander, on va reprendre le même ordre et en remerciant encore Gustavo de s'être levé à 5h30 du matin pour faire cette émission. Donc, merci beaucoup, c'est très courageux. Et donc, Gustavo, comment ça se passe pour justement ces initiatives avec toi en Colombie?
Bon, j'ai oublié de féliciter Georgie pour notre réunion. Thank you very much, Georgie, for this meeting. Bien, nous sommes ici en confinement depuis le 20 mars. Je ne suis pas sorti à la maison. Ce qui sort, c'est Margarita qui vous envoie un bonjour. Et puis, bonjour, oui. Pour les activités du troisième âge, on se communique un peu comme tout le monde. Ici, en Colombie, on regarde le monde et on imite. On se casse pas la tête pour innover. Mais on est... ce qui est important, ce sont les grands défis qu'on a comme université du troisième âge pour donner l'exemple de nos activités. Je pense que si nous organisons une grande réunion internationale par ces moyens, et puis on prépare une déclaration sur l'avenir, sur les défis de l'avenir, et surtout, j'insiste, le rôle des seniors dans le monde. Parce que je dis toujours aux jeunes, le divin, je leur dis que le futur du monde, ce n'est pas dans les mains des jeunes, sinon dans nos mains des seniors. Parce que au moment que les jeunes vont prendre de bonnes décisions, ils vont devenir des seniors. Donc, le futur des seniors, c'est nous. Hein? Nous, oui, nous mais sommes. Oui, Gustavo, je crois que c'est une très bonne initiative. Parce qu'on est en train de travailler là-dessus. On a préparé déjà une première lettre pour pas que les seniors soient mis de côté, un peu comme ça a failli être le cas en France. Et puis, on va faire une initiative pour que les seniors soient plus pris en compte, notamment auprès des instances internationales. Et je pense aussi à tout ce qu'a fait Passou à l'UNESCO, mais au niveau des Nations Unies et de l'UNESCO, je pense qu'on peut faire cette initiative. Oui, à Alicante, je parlais de faire notre charte des devoirs et des droits des seniors dans le monde, parce qu'il y a des chartes pour les enfants, pour les handicapés, pour les transsexuels, pour tout le monde, il y a des chartes des droits et devoirs. Et nous pouvons dessiner et proposer une charte des droits et devoirs des seniors. Hein? Ça serait quelque chose comme l'honneur de nos buts dans cette conjoncture. Ça peut être une très bonne chose. Passou, peut-être tu peux intervenir là-dessus et après, Sidi. Non, je crois qu'au niveau des Nations Unies, il y a beaucoup d'initiatives, même au niveau de l'OMS. Hein, les différentes organisations, et ils donnent quand même une considération spéciale, que ce soit pour les seniors, pour les personnes en situation de handicap et pour d'autres groupes de personnes. Mais je sais, nous savons très bien que le coronavirus pour les personnes âgées, pour les personnes les seniors, ils sont beaucoup plus à risque. Vous voyez ce qui se passe en Angleterre, par exemple, dans les EHPAD. Et là, ça, c'est une situation qui est bien dramatique. Alors, je dois dire qu'à Maurice, on prend en considération les seniors. Le gouvernement a pris une initiative extraordinaire parce qu'à la fin du mois, on donne une pension aux personnes âgées après 60 ans. Alors, comme ces personnes ne pouvaient pas sortir, alors le gouvernement a organisé avec la poste pour aller leur donner la pension à la maison. C'est une bonne initiative. Hein? Alors, mais par rapport aux activités de l'U3A, on a mobilisé notre équipe pour qu'ils puissent participer à cette compétition. Mais je dois dire qu'on n'est pas bien parti, hein, parce qu'il faut quand même qu'on travaille avec eux. Ils ne sont pas tous bien habitués avec ça. Mais on se prépare. Oui, c'est bien qu'ils puissent faire une contribution. Exactement.
Et je souhaite à mon frère Camara tous les succès pour Sénégal. Hein. Ce sera quand même en même temps un défi là, avec la situation qui se passe dans nos pays, la situation économique dans nos pays, par exemple, il y aura beaucoup de restrictions. Hein. Je peux vous dire, à Maurice aussi. Et oui. Hein? Alors, il y a beaucoup comment ça se passe alors? Alors, je prends la balle au bon parce que, effectivement, le contexte est très, très difficile pour préparer un événement tel que le nôtre pour le mois de novembre. C'est clair que nous sommes dans une expectative en considérant plusieurs scénarios possibles. Mmh. Mais en attendant, nous considérons que l'événement, le conseil d'administration et la conférence internationale auront lieu le 26 novembre 2020. Mmh. Et soyons réalistes. Et bien, comme on l'a dit par-dessus, la situation est très difficile. Et par rapport au gouvernement du Sénégal, il faut reconnaître quand même que des efforts sont en train d'être faits pour que les couches les plus défavorisées puissent bénéficier d'une assistance alimentaire pour leur garantir, n'est-ce pas, la sécurité de rester chez eux. Mmh. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de rester chez lui s'il n'a pas à manger. Oui, il a faim, oui. Alors, donc, l'État est quand même en train de faire de gros efforts. Et nous, en tant qu'université du troisième âge, nous sommes fidèles à nos principes de base. Le troisième âge est justement un statut très privilégié de sage, d'expérience. Et c'est dans des situations difficiles qu'il faut donner la preuve justement de sagesse et d'expérience. Et dès que l'État a pris des mesures de fermeture des écoles, de couvre-feu, nous avons appuyé tout de suite par un communiqué pour dire que l'Université de Troisième Âge appuie l'État dans sa démarche. Oui. Et mieux, nous avons dit, nous n'allons pas rester sans réagir. Nous avons contribué financièrement par des cotisations. Chaque membre de l'UNITRA, en fonction de ses moyens, a apporté une contribution qu'on va remettre à l'État du Sénégal comme participation de l'Université Troisième Âge à l'effort national. Ah oui, nous y travaillons. Et le concours, alors, vous avez pu le diffuser aussi de l'AITA? Oui, pour le concours, je salue l'initiative parce que ça va permettre de raffermir les liens, qu'on découvre de nouveaux talents en plus, parce qu'on ne se connaît pas assez. On se rencontre une fois tous les six mois et on ne sait pas qui est qui fait quoi. Voilà, c'est à la fois un concours international, mais on peut avoir des événements nationaux là-dessus. Je crois que justement en Chine, là, vous avez avec les universités troisième âge chinoises, les divines pour le concours. Oui, et cette année est une année très spéciale. Nous sommes en train de confronter au coronavirus. Et des personnes âgées, ils utilisent leur manière pour contribuer à la lutte contre l'épidémie. C'est mieux de rester à la maison pour des personnes âgées. Dans ce cas, nous voulons montrer l'état mental et les résultats d'apprentissage des personnes âgées. C'est une chose très nécessaire et c'est le moyen le plus efficace d'encourager des hommes pour lutter contre l'épidémie maintenant. Donc, la UTRA, en coopération avec le WSDC, organise un grand concours international pour les universités du troisième âge. Et nous voulons avoir plus de contenu de la coopération et laisser les personnes âgées avoir plus de choix. 5 catégories de compétition sont proposées. La poésie, et alors les dessins ou la peinture, la créativité et le chant, enfin c'est le sport photo. Et sauf la participation individuelle des personnes âgées, nous encourageons également des groupes à participer à ce concours. Nous encourageons les personnes âgées à participer activement pour montrer leur état mental
et nous encourageons toutes les personnes à aller à participer. Et la première partie de participants est le, c'est les étudiants de l'université du troisième âge. Et la deuxième partie. En Chine, donc il y a beaucoup d'universités qui vont participer. Oui, oui. La situation est oui et super. D'accord. Depuis la minute. Oui. Bon, oui. Merci Ludivine. Donc voilà l'initiative qui a été proposée par la UTA. Mais il faut bien voir que ça, c'est une initiative pour nos seniors qui sont souvent isolés, pour essayer de rompre l'isolement. Mais comme on en a parlé avec Gustavo et avec vous tous, l'initiative, c'est aussi au prix des instances. Donc nous, au niveau européen, on a les instances européennes, mais les instances européennes peuvent aussi être mobilisées pour la coopération internationale. Et également les instances auprès des Nations Unies. Et pour cela, on est en train de préparer un document qu'on va pouvoir vous adresser sur le rôle des seniors pour les préserver dans ces moments très difficiles, notamment pour tout ce qui concerne la mémoire. Parce que les seniors, comme le disait Sidi Camara, c'est vraiment le plus important... du point de vue de la mémoire. Donc on essaie de réfléchir à cela. Si vous voulez, pour conclure, chacun peut dire une phrase là-dessus, peut-être. Je vais commencer avec Sidi, et puis Gustavo et Passou. Sidi, tu as une ou deux phrases, pas plus, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Le temps va bientôt s'arrêter. Très bien. Je voudrais dire que la pertinence du thème que nous avons proposé justement pour la conférence internationale, c'est la problématique des valeurs. Les valeurs, c'est justement de prendre en compte les personnes du troisième âge. Aujourd'hui, l'hécatombe qu'il y a dans ces pays développés par rapport aux maisons de retraite, c'est une catastrophe. Mmh. Il y a une faille dans les valeurs. Et c'est pourquoi le thème de notre conférence au mois de novembre sera très, très d'actualité, sera pertinent et nous permettra de nous remettre en cause. Oui. La solidarité devrait revenir et c'est à nous, Université du Troisième Âge, d'aider à cela. C'est un grand défi, il faut qu'on le prépare le plus possible. Absolument, absolument. Mmh. Merci, Sidi. Gustavo. Et bon, et, deux choses. L'une, est, on fait en Colombie un peu de ce qu'on fait un peu partout dans le monde, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, il y a une seule chose très importante, c'est le devoir des seniors de transmettre leurs connaissances. C'est là en... une phrase qui peut nous conduire vers ce dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Merci François. Merci. Et donc il faut nous bien réfléchir aux contributions qu'on peut apporter. Passou Ramen. Passou, tu as la parole. Passou. Ah, il a coupé les. Voilà, c'est bon là. Ah. Oui, vas-y. C'est bon là. Vas-y. Hein, alors, moi je pense, avec les circonstances actuelles, avec Covid-19, comme mon frère Camara vient de dire, les valeurs, c'est bien, mais en même temps, je crois qu'il faut démontrer que les seniors ont une capacité, ils ont quand même beaucoup de contributions à faire, avec la sagesse, les connaissances, l'expertise, et il faut qu'on met ça bien à l'avant, et aussi venir avec des propositions concrètes. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans nos pays respectifs, face à cette situation-là? Parce qu'il y a une tendance de voir les seniors comme un fardeau. J'ai vu quelques déclarations aussi qui ont été dans ce sens, vous voyez. Comme ça, on essaye de défendre les seniors. Et qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes? Il n'y a pas de comparaison, là. Il n'y a pas de comparaison à faire. Mmh. Chacun a son rôle à jouer, chacun a son droit de vivre.
et les signaux ont beaucoup contribué pour le développement du pays, etc. Alors moi, je crois qu'il faut qu'on vienne avec des choses concrètes aussi pour faire valoir ce que les signaux représentent, ce qu'ils peuvent faire et donner de l'exemple aussi. Je crois qu'on doit réfléchir proactivement. Qu'est-ce qu'on peut proposer de concret, ce que les signaux peuvent apporter dans leurs pays respectifs. Vous voyez, ça va montrer une autre face. Et en même temps, moi, je crois qu'il faut aussi qu'on réfléchisse sérieusement à assurer que tous nos signaux membres de l'UTA, à l'UTA, ils sont tous connectés à la technologie. Oui, vous savez, vous voyez là, c'est très important. Il n'y a pas beaucoup qui sont connectés à la WhatsApp, par exemple. Il y en a plein maintenant, beaucoup plus maintenant. Comme l'exemple que tu as imaginez montré. Imaginez si j'étais connecté à WhatsApp et à l'Internet, on aurait pu rester connecté sans problème. Mais alors, voilà, quelques pistes de réflexion. Eh bien, merci. Donc, depuis l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'océan Indien, la Chine et surtout à ce qu'a pu faire Georgie avec la Bulgarie. So, thanks very much, Georgie. And you have the last word to conclude. So, thank you very much for participation. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, stay with Ayuta TV on YouTube and follow our future episodes. We will continue to cover how the International Association of the Universities of the Third Age is handling with the pandemic now, and we will try to give you more information and more ideas about this process. I heard something important, that it is time for solidarity. This is what Mr. Monsieur Camara said. It's also time for increasing our capacity for resilience. And it's also about finding new ways to give diverse activities that will make the lives of seniors more meaningful in this situation. So our cooperation and our exchange of opinions and experience, I believe, will make your work and your activities on a local level better, improved, and high quality, as usual we want to make it in AU3As. So thank you very much. Stay with AUTA TV. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Thank you. Merci. Au revoir. Bye-bye. Au revoir. Okay. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.